Le 29 septembre, l'artiste chinois Liu Xuri a inauguré une exposition d'art intitulée « Réaliste et abstrait » au Musée d'art de Haidian, à Pékin. Le thème de cette exposition est des images de réaliste et abstrait pour lesquelles Liu Xuri a sa propre interprétation. Pour les œuvres réalistes, c'est de reproduire ce que l'on voit avec les yeux. Les œuvres abstraites sont faites pour exprimer ce qui est à l'intérieur. Au niveau spirituel, le contenu est plus riche et plus subjectif. Au cours des dernières années, il s'est concentré sur l'étude de la combinaison de l'idée de peinture à l'encre et de lavis chinois et de la couleur plastique occidentale et a formé ses propres symboles artistiques et son propre langage de peinture avec un attrait artistique unique et une personnalité distinctive. Ce travail, appelé Lumière du ciel et l'arc du paradis, est d'absorber les caractéristiques de l'écriture dans la calligraphie chinoise. J'espère aussi, à travers mes peintures, apporter à l'Occident des œuvres chinoises caractérisées par la calligraphie et le lavis. L'année 2020 marque le 130e anniversaire de la mort de Van Gogh. Utilisant comme le sujet l'endroit où Van Gogh a vécu pendant ses derniers jours de sa vie, Liu Xuri a créé ce sacrifice pour rendre hommage à ce grand artiste. J'ai toujours voulu faire une œuvre pour commémorer Van Gogh, dont l'art était trop avancé pour être reconnu par les gens de l'époque. Pour compléter cette œuvre, j'ai également réalisé cette sculpture pour obtenir un impact visuel encore plus fort. Au cours de cette exposition, plus de 30 œuvres de Liu Xuri sont présentées. L'exposition est ouverte jusqu'au 15 octobre. Il fera ensuite une tournée en Chine. Nous espérons qu'une fois l'épidémie terminée, Liu Xuri pourra réaliser sa tournée en Europe et continuer à construire un pont pour les échanges culturels sino-français. 依然 CGTN français à Pékin。